Décidément, c'est de pire en pire. Mais on dirait qu'ils savent déjà comment combattre les bestioles. Ça ne les sauvera pas éternellement. C'est trop tard. On s'en va. Mais... Il ne s'agit plus uniquement de cette île, Hugo. Nous devons partir, ou tout sera condamné. Attention en descendant. Oui. Il est mort. Pas le choix. Désolée. Oui, désolée. Venez, on traverse. Bien. Maintenant, on agit de manière sûre et réfléchie. Aucun risque inutile. Hugo, si tu te sens bizarre, tu nous le dis tout de suite. D'accord. J'ai hâte de quitter ce rocher. Par là, c'est le port. Venez. Hé, hey, madame! Quoi encore? Vous êtes l'invité de la comtesse. Êtes-vous blessé? Non. Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais. Veuillez me suivre. À vrai dire, nous étions sur le point de partir. On vous demande. Vraiment? Qui? Votre mère et un garçon. Oh, bien sûr. Tu crois qu'elle va nous gronder? Je ne sais pas. On devrait aller la voir. Ça fait très longtemps. Oui. Je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Waouh. Regardez-moi ces deux-là. Seule une mère possède un tel pouvoir sur quelqu'un. Très bien. Vous savez quoi? Je vais retourner au port préparer le bateau. Rejoignez-moi dès que vous pourrez. Prends ça. Quoi qu'il arrive, garde cette torche allumée, d'accord? Oui. Fais attention. T'en fais pas. J'ai beaucoup appris de vous deux. Passez devant. Qu'est-ce qu'on va lui dire? La vérité. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et je suis la seule fautive. Je te défendrai. Mon héros. Vite! Bougez avant qu'il revienne! Est-ce que le palais va tenir, monsieur? Pour le moment, le comte a ouvert les portes à la population, mais... Il y a tellement de morts et de blessés. On a vu ça. Attention! Reculez! C'est comme celui qu'on a vu. Celui qui était cassé. Chut! Oui. Où l'ont-ils trouvé? Vous serez en sécurité tant que vous restez dans ce périmètre. Mais en dehors, sans lumière... Oui. En tout cas, vous êtes en sécurité désormais. Mais vous n'avez pas prévu d'évacuer? Pas encore. Pas avant d'avoir rassemblé tout le monde. Filez au pont! Donnez la ligne! Il faut plus de feu sur la route principale! Remuez-vous! Il faut continuer à alimenter ces feux! Les vedettes par ici! On dirait la guerre. Venez me donner un coup de main! Les rats poussent sur le flanc est! Ils font des torches là-bas! Ils devraient évacuer. Oui. Personne ne peut gagner contre eux. Mais nos combattants à l'intérieur. Mes affaires. Vous pouvez les amener à l'intérieur. Très bien, je comprends. Bonne chance. Creusez les tranchées le long des remparts et remplissez-les de poids. Il faut les garder allumés. Une seule brèche peut faire tomber le palais. Et si jamais les rats rentrent dans le palais? Alors tu es mort. Gardez les feux allumés. T'as réparé le piston? On a besoin de ce chariot sur les remparts, et vite. Encore un autre? Lâche-moi un peu! Cette chose est tellement vieille qu'elle peut exploser à tout moment. Oh, on a des blessés ici, c'est pas beau à voir. Le petit devrait détourner les yeux. J'ai déjà vu du sang. Essaye quand même de ne pas regarder. Il y en a encore plus. Mon bras! Ça brûle! C'est les gens qui ont été mordus. Oui, ça va bientôt se répandre. C'est fini. Laisse-te partir. Non! Non! Reprends tes esprits. D'autres blessés arrivent. Ça veut dire que l'enfant va apparaître? L'enfant est censé nous amener vers les jours radieux. Pas à ce carnage. Silence! C'est pas le moment de cette histoire.
chose, mais on doit rationner. Prions pour que ce cauchemar se termine vite. Tout ça, c'est de ma faute. Chut, je t'en prie. Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumet l'enfant. Ne perdez pas la foi. Les rats annoncent vraiment sa venue. Pourquoi est-ce qu'il veut nous tuer ? Vous aussi. Baissez vos cœurs. Priez pour lui. Ne faites que prier. Maman ! Vous êtes là. Seigneur, vous êtes vivant. Mère, viens voir. Viens, s'il te plaît. Mère. Tu vas bien? Ta tête. Ça va, ne t'en fais pas. Comment nous avez-vous trouvés? Vous n'avez pas été très discret. Mais dis-moi, c'est bien celle-là? Votre île? Celle que tu as vue dans ton rêve? Il y avait un autre porteur comme moi. Un autre porteur? Oui. À l'époque, au VIe siècle. Il y avait un enfant, Basilius. Nous l'avons retrouvé enchaîné, dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre. Quoi ? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil. Ils l'ont séparé de sa protectrice. Ils l'ont enfermé pour contenir ce qui allait se passer. Une nouvelle peste ? Au VIe siècle, c'est... La peste de Justinien. On se doutait que c'était lié à la macula, mais... Alors ça a commencé ici, avec ce Basilius. Mais c'était pas de sa faute. Il était juste tout seul et il avait peur. C'est ça. Mère, d'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre. Mais l'ordre fait fausse route depuis le début. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés avec Basilius. S'il avait eu sa protectrice, comme Hugo nous a, nous, sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé. Si on y réfléchit, au cours de ces derniers mois, sur la route, tout était vraiment calme, tout allait bien. Il allait bien. C'est vrai. Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit paisible, où l'on pourrait vivre en famille... Peut-être que la peste s'arrêterait, à la longue. En tout cas, ça ne pourrait pas être pire. La peur nous a vraiment aveuglés, en effet. Mais pas toi, protectrice. C'est vrai. Vous vous souvenez de notre maison dans les montagnes? Ce serait parfait. Oui, et même qu'on sera tous immenses. Veuillez m'excuser. Le comte souhaite vous voir. Moi? Maintenant? Nous étions sur le point de partir. Il s'agit du comte de Provence, madame. Oui. Nous t'attendrons. Nous sommes plus en sécurité ici, de toute façon. Bien. Menez-moi à lui. Suivez-moi. Savez-vous ce que le comte attend de moi ? Non. Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Agissez avec dignité en sa présence. Ce sont des temps sombres. Il est touché, comme nous tous. D'accord, je le ferai. La porte principale est sécurisée pour le moment, mais le mur ouest est toujours fragile. Si les rats entrent par là, nous ne pourrons pas évacuer les blessés. Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces... Attendez là. Envoyez des éclaireurs. Si on trouve un moyen de les ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire, elle est ici. Bien. C'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Oui, messire. Oui, messire. Viens, j'ai besoin de toi. Très bien. Messire. Vous avez donc survécu à ces monstres ? De peu. Je suis désolée pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Désolée, je... Non, non. C'est exactement ça. C'est humain. Je crois. Vous avez raison. Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. Je vous en prie,
L'enfant va vraiment venir? Tous les signes le montrent. Vous voulez dire les rats? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Oui. Je regrette, mais c'est sa décision. De quoi parlez-vous? Elle sait que ton frère est l'enfant des braises. Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois mourir. Non, non, écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire, sur votre culte, sur tout. Tu as sûrement raison, car j'ai presque tout inventé. Et je l'ai fait pour elle. Quoi? Emily, ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attente à sa vie. Et empoisonne son corps. Alors je l'ai amenée ici, et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises. Elle ne l'a pas seulement crue. Elle l'a transformée en espoir pour tout un peuple. Qu'essaies-tu de faire? Accepte ton destin! Sois maudite! Hugo, cours! Comment oses-tu? Reviens! Rejoins-les! Vas-y! Je ne la perdrai pas! Pas pour toi! Allez, diable! Où crois-tu aller? Vous ne l'aurez jamais! Avance! À droite! Allez! Vite! Tu ne peux imaginer ce qui est en jeu! Non, non, père, Arthur! J'ai essayé! Je te trouverai et tu mourras comme un chien. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide, je vous en prie. Comment je sors d'ici? Qui êtes-vous? Où est-elle? Derrière ce... Tais-toi! Tout le monde dort! Reste hors de vue. C'est entre toi et moi maintenant. Je dois bouger. Amicia, tu es trop bruyant. Vas-y. Allons, finissons-en. Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre, c'est si simple. Il me suffisait de tout détruire. Je sais te trouver. C'est trop tard. Elle sait qu'il existe désormais. Salaud! Salaud! Les gens croient en elle autant qu'ils croient en l'enfant. Ne t'approche pas de moi! Tu ne comprends donc pas? Tout ça te dépasse! Rends-toi! Laisse-nous ton frère! Ce sera plus simple pour tout le monde! Tu es fou! Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez! Ne sois pas si dramatique! Tu vas juste disparaître, et le monde s'abandonnera totalement! Abandonne! Tu as vécu dans le mensonge trop longtemps! Tu ne vois plus la vérité! La vérité, c'est que tout est corrompu à part elle. Elle est la seule raison pour laquelle ce monde n'est pas dans le monde. Et nous prenons... Jouons à ce jeu. Je suis mort, tu verras. Je dois en trouver les autres. Vite! Il y a forcément un moyen de retourner en haut. Il m'a démoli l'épaule pour de bon. Ça fait mal. Oh, trop bruyant. Choisis la manière forte. Pas le temps. Vite, cours! Je t'entends! La peur te rend négligente. Vite!
Cette cachette ne te sauvera pas. Où es-tu passé? Courage, tu peux le faire. Vas-y, tu l'enfermais dans ces cellules. Où peux-tu bien être? Tu es prise au piège. Où que tu ailles, je te trouverai. J'ai été formé pour ça. Viens ici. Viens. Tu es coincé. Ça fait horriblement mal. Dis, oui. Je peux soulager ta douleur. Fais-moi confiance. Je veux la fermer. Oui. Allez, allez. Donnez-moi une maudite sortie! Tu cours toujours! Tu es infatigable! Si seulement tu vas bien fermer! Tu as réussi! Incroyable! Oh, tu me rappelles une époque lointaine, ma jeunesse. Je te retrouverai là où coulera ton... Par pitié, que cette folie s'arrête! J'en peux plus! T'évanouis pas. Non. Hugo, ils vont l'emmener. Mère, Lucas, emmène-les loin d'ici. Même si tu as mal. La douleur, c'est tout ce que tu as. Tu la connais bien. Alors utilise-la. Utilise-la contre eux. N'ayez pas peur. Bien sûr, vous avez échoué. Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre. Il vit si fort en moi. Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures. Ni combler ce vide en vous. Vous mourrez. Nous mourrons tous. Non! Je l'aimerai tant. Il rayonnera comme 1000 soleils. Il chassera les ténèbres et moi... Je serai simplement mère, témoin des premiers pas d'un dieu. Taisez-vous! Vous n'avez aucun droit sur notre famille! Amicia! Par quel malheur es-tu encore en vie? Où est Hugo? La porte, vas-y, cours! Enfin! Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne. Eh bien. Comment puis-je refuser une telle invitation? Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène! Tu me provoques. Tu crois de toute ton âme que tu peux... triompher de moi. C'est le cas. Vous n'aurez jamais mon frère. Oh, une telle abnégation. C'est du feu qui circule dans tes veines. Mais les flammes dénuées de discipline ne font pas un soldat. Elles le consument de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat. Oh, je sais. Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi, j'ai choisi cette vie. Tu ne peux pas lutter. Vous parlez trop, pauvre lâche. Soigne ta posture. Ne te livre pas. Tiens correctement ton épée. Tu ne lui fais pas honneur. Ne te bats jamais pour te défendre, mais pour tuer, pour conquérir. Ça ne change rien. Vous restez un lâche.
Lucien. Qui es-tu pour oser me défier? Je suis Amicia de Rune. Oh, silence. Et je ne m'incline devant personne. Silence. Tu vois, tu sais bien t'incliner. Non, non. Je vous implore, pitié. Assez. D'une mère à une autre. Ça suffit, Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser emporter. Je vous admire. Vos enfants sont forts, vos liens puissants. Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier. Car tel est le destin de l'enfant des braises. L'amour peut tuer, Émilie. Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Pour vous, ça sera rapide. Je suis si fière de toi. Amicia, maman. Je me sens bizarre. Amicia? Maman? Amicia? Lucas? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce qu'ils sont passés? Émilie. Oh, mon tout petit. Retourne donc te coucher. Hugo, elle est morte? Non, non, je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le, d'accord? Quoi?
bien sûr. C'est toi. C'est toi. Je le savais. Emily, je viens vous aider. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie. Je serai une meilleure mère. Je serai une meilleure plus. Mère. Il faut plus de rats. Pitié. Elle est coincée. Fais-la payer. Appelle plus de rats. Protégez la comtesse à tout prix. Ah, putain, laisse les rats les manger. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous payez. Continue, non. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête. Amicia. Amicia, où es-tu? Je suis là. On est vivants.